aussi de nous retrouver au stade Marc Burdet à Cholet pour la première journée de 2e Ligue Inter qui voit le FC Cholet-Bossy affronter le néo-promu, le FC Chipis. Cette saison 2017-2018 sera marquée du saut d'une nouvelle ère sous la houlette d'Yves Miéville, l'ancien coach de la deuxième équipe d'Étoile Carouge, pour remplacer la figure emblématique colésienne Pierre-Yves Lineguer. Et on retrouve Ayété toujours sur son côté droit suite à cette touche. Ayété qui a pu prolonger, c'est très bien fait, avec le centre de Schedler, un centre encore très loin au second poteau. Ce sera toujours pour les Colésiens avec Izquierdo finalement. Izquierdo qui va tenter de changer le jeu là-bas à destination d'Ayété. Encore une fois, il y a une tête valaisanne et Rabaglia qui va tenter de relancer. Il est pris par le capitaine Arifi qui commet une faute, estime M. Thiago Pinto. Alors Massimo Mazzelli à la baguette, petit ballon au-dessus de la défense, ça c'est très bien frappé, finalement c'est une tête genevoise qui a pu relancer ce ballon, attention, le cuir qui est revenu et on est bien venu gêner la reprise de volée, ce qui permet finalement à Nieto de s'emparer du ballon, alors que Nadim tente de prendre de vitesse là-bas sur le côté gauche, Nadim il a un rebond favorable, Nadim, ouais, superbe ce qu'il fait Nadim, avec le centre, finalement on a pu mettre le pied, c'est l'ouverture du score de Fabrizio Mazzelli. Ouverture du score pour le FC Chipis, un petit peu contre le cours du jeu, mais ils sont allés deux fois dans les 16 mètres. Deux fois, ils ont réussi à trouver un homme absolument tout seul. Et c'est donc l'ouverture du score ici au stade Marc Burdet pour le néo-promu, le FC Chipis, qui vient jouer un mauvais tour pour l'instant au FC Cholet-Bossy. Malgré l'avantage, on va dire, territorial hein, au niveau du jeu de Cholet-Bossy, qui a maîtrisé, qui a la possession, mais qui s'est fait surprendre. On va voir comment ils vont réussir à gérer ça maintenant les chevaliers. Et Nieto qui fait remonter son équipe. Avec un long dégagement finalement. Ouais, il y a uniquement Arnaud Rabaglia qui est allé sur ce cuir. On voit tout qui s'est bien battu, qui peut orienter pour Marietto. Marietto qui peut éviter le retour d'Izquierdo. Et Ayété finalement qui a pu toucher. On cherchait Mutombo, Schedler en deuxième ballon qui peut orienter sur Carasso. Carasso qui va remettre à son capitaine. Arifi qui tente d'orienter le jeu là-bas sur le côté droit avec la montée de Brito. Intervention de Marco De Palma. Et la touche toujours pour les hommes d'Yves Miéville. Avec Kerwedan qui s'est proposé. Ballon qui revient sur Brito. On est un petit peu enfermé. Attention, le centre pied droit, finalement, la tête de Jane Smith pour relancer. On va tenter d'éviter la touche. Jane Smith qui va allonger ce ballon. Et finalement, le cuir qui va franchir les limites du terrain. Alors qu'on est en train de se positionner dans les 16 mètres. Schedler avec un ballon qui va arriver directement sur les pieds. Et attention, finalement, la frappe de Carasso suite à ce dégagement du point de Carlos Oliveira. On pensait qu'il allait pouvoir s'emparer du cuir. Le portier valaisan, finalement, il a pu que repousser ce ballon, et encore possibilité hein, sur coup de pied arrêté pour les Valaisans. Néo-promu, on le rappelle, et Yacine à la baguette, Yacine avec un ballon frappé, ouais, c'est dégagé au premier poteau par Izquierdo. On va tenter de se battre, c'est De Palma qui peut finalement avoir ce deuxième ballon, ouais, bonne intervention, attention, dégagement de Brito qui remet ce ballon sur De Palma. De Palma qui se bat bien, ouais, il est enfermé là-bas, Marco De Palma il va être obligé de revenir derrière. Avec Rabaglia qui va obtenir la touche pour ses couleurs. Et attention, Rabaglia, De Palma qui oriente bien. On laisse passer jusqu'à Smith. Smith, il a pas mal d'appels devant lui. C'est très bien fait ça pour Mazzelli. Mazzelli, attention, le centre de Mazzelli. Ouais, pour Arnaud Rabaglia. Et c'est le deuxième but du FC Chipis, 28e minute. Et 2-0 donc pour les Valaisans du FC Chipis qui font mal, hein, très très mal pour l'instant à Cholet-Bossy. Trois offensives, deux buts. Trois occasions, deux buts pour le néo-promu. Ah, devant, on galvaude pas beaucoup hein, côté valaisan. Et c'est vrai que pour les Colésiens, ça va devenir compliqué. Hein. Pour l'instant, on a envoyé passablement de ballons devant. Le ballon qui passe entre les jambes de Yacine. Ah, c'est bien fait. Ayété qui a pu trouver Schedler. Schedler qui envoie dans la profondeur pour Mutombo. Mutombo qui va tenter de rentrer dans les 16, mettre le retour de genou. Mutombo, ouais, qui manque sa frappe avec un excellent retour de Julien Genou qui est venu empêcher la frappe de Malik Mutombo. Et là, c'était la plus grosse opportunité pour les Colésiens, là, cette possibilité pour Malik Mutombo. Bon retour de Kerwedan qui vient intercepter cette passe au centre du terrain. Schedler qui tente d'orienter rapidement avec Carasso.
Carasso qui envoie pour Brito qui a pris le côté. Brito qui va être repris hein, par Mazzelli. Mazzelli qui dégage un petit peu comme il peut. Et finalement, ça va donner une touche pour les hommes d'Yves Miéville. Avec cette fois-ci Roca qui va se proposer. Non, finalement, Nieto lui fait signe que non. Et on va encore une fois envoyer un long ballon devant. Ça termine sur la tête de Rabalia. Un ballon qui traîne au centre du terrain. Schedler qui peut toucher pour Mutombo. Ouais, c'est bien fait. Mutombo qui remet pour Schedler. Schedler au-dessus de la défense pour Ayeté avec la sortie d'Olivera. Très bonne sortie. La frappe de Mutombo. Oh, le sauvetage. Oh, le sauvetage. Julien Genoux. Oh, superbe tacle. Extraordinaire ce qu'il vient de faire là. Le défenseur vous disait qu'il était dans son match. Et la preuve, le sauvetage. 35e minute. Je tire reprise de volée de Malik Mutombo. On n'était pas loin de la réduction du score. Côté colésien, c'était son compté sur l'omniprésent Julien Genoux. Oh là là, mais quelle intervention! C'est pas terminé avec cette tête juste devant Oliveira. Finalement, un ballon qui va franchir les limites du terrain et ce sera un nouveau corner de l'autre côté. Et là encore, on a Schedler et Mutombo. Alors encore une fois, Schedler pied droit, Mutombo pied gauche. C'est Schedler qui s'élance. Schedler, ouais, c'est bien frappé! Oh, ça vient heurter l'équerre gauche. Début de Carlos Oliveira. On en reste à 2-0 pour le FC Chipis. La meilleure opportunité colésienne, la voici sur coup de pied arrêté. Un coup franc extrêmement bien tiré hein, de la part de Jonathan Schedler. Un gros coup de chaud sur les buts de Carlos Oliveira. Ça aurait été le bon moment pour marquer hein, en 39e minute. Juste avant les 16 mètres avec Arifi hein, qui est tombé de très haut face à Mvuatu là, au duel aérien. Le voici Mvuatu justement. Mvuatu, ouais, il a réussi à se retourner. Il peut transmettre à Mazzelli. Et il y a eu une faute d'Arifi sur Manuel Mvuatu. Intervention de Monsieur Pinto. Alors Mohamed Yassine, ce sera un coup franc sortant hein, avec son pied droit. 40e minute, Mohamed Yassine qui s'élance. Ouais, il a tenté une frappe directe. Attention à ce ballon qui reste dans les 16 mètres. Finalement, c'est dégagé par la défense colésienne. Alors qu'il reste un petit peu plus de 3 minutes hein, dans cette rencontre. Attention à cette possibilité avec Jonathan Schedler qui a été trouvé. Il n'a pas réussi à s'embarquer le ballon. Il y a Kerouédan tout de même côté droit. Et Kerouédan, ouais, finalement, il va laisser tranquillement sortir ce ballon afin de faire monter l'arrière-garde pour un nouveau coup de pied de coin. Sûrement un des derniers de cette première période pour les Colésiens. Il serait bien inspiré hein, de revenir au score avant la mi-temps. Afin d'avoir un seul but de retard en seconde période et tenter de revenir vite dans ce premier match de la saison 2017-2018. Alors Schedler, ouais, encore une fois, hein, le grand Mvuatu qui était là pour dégager. Et Mutombo qui manque sa reprise de volée. Et Yassine. Schedler qui va se battre finalement. Le cuir qui va ressortir pour De Palma qui a trouvé Genoux. Et qui alerte son portier sous la pression de Mutombo. Encore un long dégagement de Oliveira. Avec attention à cette possibilité alors qu'un Colésien restait à terre. Et c'est le 3-0. 3-0 pour le FC Chipis. Il y a un Colésien qui était resté à terre au duel. Et finalement le but de Yann Nadim qui vient mettre le troisième de son équipe. 3-0, 44 minutes de jeu. Et le néo-promu, le FC Chipis, qui est en train de faire couler le FC Colébossi à domicile. Et encore une fois, on a l'impression qu'il était tout seul, Yann Nadim, hein, qu'il a le temps d'ajuster le portier Daniel Nieto. Et le néo-promu qui fait une forte impression hein, en ce début de saison, en tout cas sur cette première période. Et monsieur Thiago Pinto qui donne le coup d'envoi de cette seconde période entre le FC Colébossi et le FC Chipis. Le FC Chipis qui évolue en vert et le néo-promu qui tient la dragée haute hein, à Colébossi. Attention, avec encore une première possibilité avec Mazzelli qui tente le lob. Voilà, il y avait peut-être mieux à faire côté valaisan. Et comme j'étais en train de vous le dire, le FC Chipis qui pose énormément de problèmes au FC Colébossi dans cette première rencontre de la saison 2017-2018 de deuxième ligue inter. Car le FC Chipis mène à la mi-temps sur le score de 3-0. Et toujours la touche pour les Verts du FC Chipis. Avec Mvuata qui s'est proposé, Schedler qui peut pousser. Avec le nouvel entrant, Amidé qui peut remettre pour Schedler côté gauche. Schedler poursuivi par Smith. On peut s'appuyer sur Arifi. Ouais, c'est bien fait. Arifi qui remet en une touche. Schedler qui s'est mis en bonne position. La frappe de Schedler, elle est un petit peu trop écrasée hein, pour venir faire peur à Carlos Oliveira. Et là, on va tenter de repartir avec Mazzelli qui a été repris par Arifi. Et Arifi qui récupère encore le ballon sur Marietto. Et Mutombo qui tente de partir. Mutombo qui s'est retourné. Mutombo, ouais, une frappe. Là aussi, ça posera aucun souci hein, à Carlos Oliveira. On était beaucoup trop loin.
Et on était un petit peu hors de position hein, pour tenter une frappe. Et Izquierdo, avec encore un pressing bien haut hein, de la part des Valaisans. Et là, il était superbe ce qu'il fait. Il peut trouver Schedler. Schedler qui peut transmettre. Amidé qui va vite dans les 16 mètres. Amidé, il ouvre le pied et ça passe à côté. Début Valaisan, on en reste à 3-0. 55e minute. Grosse opportunité pour le nouvel entrant. Cédric Amidé qui voit sa frappe passer à côté. Début adverse. Avec ce coup franc presque dans le rond central. C'est à destination de Mvuatu qui a pu toucher de la tête. Et intervention de Monsieur Pinto pour une faute de Mvuatu. Et Thierry donc pour effectuer cette remise en jeu avec Schedler qui s'est proposé. Et Schedler qui voit son ballon intercepté. Arifi qui a bien travaillé. Schedler à nouveau côté droit. Le centre de Schedler avec la tentative de Madjer d'Amidé. Ballon qui arrivait très vite. Hein. C'était compliqué de faire la Madjer. Mutombo qui s'est bien battu, qui a réussi à centrer finalement un ballon qui sera dégagé par Marietto. Et avec Kerwedo encore qui a tenté de se mettre en bonne position. La reprise d'Ayeté complètement dévissée. Roca qui trouve Schedler. Schedler avec Mutombo. Mutombo, la remise pour Amidé. Amidé, encore une possibilité. Ouais, il met au-dessus. Ah, Cédric Amidé qui met au-dessus. Bah, là, ça va devenir compliqué. Si on rate ce genre d'occasion pour les Genevois, c'est très très compliqué. On n'a pas le réalisme hein, des adversaires. Un ballon qui joue directement dans la boîte avec la tête de Constantin. Et heureusement qu'on s'est bien battu derrière. Et il semble que ce soit Frischholz hein, qui soit venu gêner un petit peu la tête. Attention à cette longue relance. Ouais, pas de souci, ça termine dans les bras d'Oliveira. De Palma pour la touche. C'était pour Constantin. Wana SND, bonne intervention. Wana SND qui a pu pousser pour Kerwedan. Kerwedan qui peut pousser pour Amidé. Amidé côté gauche qui va tenter de prendre Mazzelli de vitesse. Amidé, il est rentré dans les 16 mètres. Le centre d'Amidé. Carlos Oliveira qui a pu se coucher sur ce ballon. Là encore, c'était pas très bien ajusté comme centre. Minute. Attention à ce ballon qui est passé. Mutombo qui peut justement l'embarquer dans les 16 mètres avec la glissade du défenseur. Mutombo qui marque et il y avait de toute façon eu le coup de sifflet de Monsieur Pinto. Position de hors-jeu de la part de Malik Mutombo. Et Amidé ouais, qui s'est bien battu. Amidé qui peut transmettre à Kerwedan. Kerwedan qui manque un petit peu son contrôle. Schedler qui peut centrer. Ouais, ce sera un petit peu trop profond. Ayeté à présent. Avec Izquierdo qui tente le centre, la remise de la poitrine de Schedler et finalement Amidé qui peut venir inscrire le but dont on vous parlait. Cédric Amidé qui marque le but au bout de la nuit là, vraiment on est au bout du temps additionnel. Et là une superbe déviation hein, de la part du numéro 10 Jonathan Schedler qui aura fait quand même un bon match pour Kolev aussi. Et il a réussi à trouver Cédric Amidé qui, lui, peut trouver finalement le fond des filets du FC Chipis pour réduire la marque 3 buts à 1 donc en faveur des visiteurs du FC Chipis. Et Monsieur Thiago Pinto qui met un terme à cette rencontre et le FC Chipis qui n'aura pas réussi à garder sa cage inviolée. Un but inscrit en toute fin de match par Cédric Amidé. On va dire que la moutarde n'a pas encore pris peut-être du côté colésien. En tout cas, ce match sera plus ou moins à oublier pour le reste de la saison. Et on va se quitter bien évidemment avec les réactions des joueurs et entraîneurs de ce match. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement sur footmag.ch. Et Manuel Mvuatu qui répond à nos questions, le grand attaquant du FC Chipis. Tout d'abord, merci Manuel. Alors on rappelle que vous êtes néo-promu. Vous avez déjà effectué deux matchs de coupe, hein, un en coupe suisse face à Zurich et puis un face au FCB. Est-ce que c'est peut-être ça qui aura fait la différence aujourd'hui? Vous aviez un petit peu plus de compétition dans les jambes par rapport à ce FC Collet? Ouais, possible, sûrement. Après, c'est le fait que voilà, c'est la coupe. Enfin, c'était la coupe et puis là, c'est championnat, donc c'est un peu différent. Mais oui, je pense que déjà, le fait de dimanche, déjà, on avait un peu envie de se rattraper de ce 10-0. Donc voilà, donc je crois que là, c'est fait, donc c'est plaisant. Et puis alors, vous étiez le grand artisan de la montée l'année passée, on rappelle 38 buts à vous tout seul. Aujourd'hui, votre équipe en met 3, vous marquez pas, mais vous avez bien posé devant. Votre but, c'est vraiment d'affoler les compteurs ou justement, on essaie de jouer quand même pour l'équipe et puis essayer de créer des ouvertures? Non, c'est clair que le but numéro 1, c'est l'équipe d'abord, ça c'est clair. Après, s'il y a un petit sucre de balade et de marquer des buts, d'être le meilleur buteur, pourquoi pas, mais d'abord c'est vrai que le but avant tout c'est l'équipe.
Et puis, vous êtes arrivé ici à Genève dans quel but face à cette équipe du FC Collet qui évolue en deuxième Ligue Inter depuis pas mal de temps maintenant. Quel était le but? Déjà bien rentré dans cette saison, ou la victoire c'était vraiment l'objectif premier? Non, après c'est clair que le premier match, c'est clair qu'il faut déjà qu'on montre qu'on est là, qu'on est présent en tant que néo-promu. Après oui, bah, c'est clair qu'on vient, on vient pas à Genève hein, mercredi soir pour une inégalité ou une défaite. Donc c'est vrai qu'on vient pour gagner, pour les 3 points, ce qui était fait, donc c'est super. Et puis ce soir, alors vous n'avez pas eu pléthore d'actions, mais à peu près 4 occasions, 3 buts, c'est ça qui fait la différence, c'est déjà ça qui a fait la différence la saison passée. C'est exactement ça, c'est justement ce qu'on relèvera ce soir, c'est vraiment on a 4 occasions, on a 3 buts, et c'est voilà, on peut dire on a 100% de réussite presque. Donc c'est voilà, c'est de toute façon la meilleure équipe, c'est celle qui marque le plus de buts. Hein. Donc, on a beau avoir des occasions, on ne les met pas dedans. Ben, voilà. Et nous, ben, là, ce soir, on a prouvé que devant, ben, on est capable de marquer des buts. Et d'ailleurs, c'est 3 buteurs différents, donc c'est le top. Quoi. Et puis, dernière question, vous meniez donc 3-0 à la reprise. La deuxième mi-temps, quelles ont été les consignes de l'entraîneur? On essaye de limiter l'offensive pour pas laisser trop d'espace aux adversaires et puis pas se faire rattraper rapidement. Oui, le principe, c'était surtout de garder les trois buts, et puis voilà, après de les attendre un petit peu. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a un peu reculé, un peu trop vite par rapport à la deuxième mi-temps, ce qui était encore moins plaisant pour l'attaquant qui est seul de devant, quoi. Du coup, on court un petit peu dans le vide. Mais après, on a bien joué le coup du fait que voilà, ils ont marqué à la dernière minute. Voilà, ça reste limite anecdotique leur but, mais c'est vrai que je trouve qu'on a reculé un poil trop vite. Mais après, voilà, après, on a beau souffrir, le plus important c'est les 3 points, et c'est ce qu'on a fait. Bien, merci beaucoup Manuel Mbou à tous d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, et puis on vous souhaite un bon retour en terre valaisanne et puis une bonne saison. Merci beaucoup. Et Yves Miville, le nouvel entraîneur du FC Collet aussi, qui fait le plaisir de répondre à nos questions. Tout d'abord, merci Yves. De rien, c'est un plaisir. Alors, un match un petit peu compliqué aujourd'hui. Alors, c'était en plus votre première officielle sur le banc du FC Collet après les 23 ans de règne de Pierre-Yves Lignes hier. On pense que, bien évidemment, vous espériez un autre résultat aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pêché ce soir dans votre équipe? Bon, un petit peu, premièrement, c'est sûr que j'aurais espéré un début un petit peu différent. Après, il y a eu une première mi-temps où on a payé nos erreurs cash sur le terrain. C'est vrai que je suis un petit peu abasourdi parce que c'est comme si on se prend une claque dans la figure en première mi-temps, parce qu'on n'était pas forcément mauvais dans le jeu. On a mis pas mal d'intensité, un peu plus qu'eux. On était un petit peu au-dessus vu qu'eux aussi ont joué samedi, et c'est vrai qu'on l'a payé cash. L'attaquant le disait, ils ont eu 3 occasions, 100% de réussite, et nous, ça nous fait un petit peu défaut. Oui, alors justement, comme vous dites, nous aussi, on partageait cette impression en première mi-temps que Collet dominait dans le jeu, avait la possession, mais par contre, le réalisme en face, il a fait très très mal. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui, le réalisme? Parce que vous avez eu aussi quelques actions, et puis un petit peu de malchance avec un poteau, un sauvetage monumental quasiment sur la ligne. Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait la différence aujourd'hui? Bah, en partie, après voilà, le football, l'équipe qui marque le plus de buts gagne le match, et c'est sûr que nous on a été capable d'en mettre qu'un à la fin, et avec un petit peu plus de réussite et de chance, on aurait peut-être pu avoir un match différent. Mais c'est surtout l'aspect défensif qui me dérange un petit peu, parce qu'il y a un nombre d'erreurs et d'anticipations de profondeur, etc., sur lesquelles on a travaillé, où on a vraiment pêché ce soir, et c'est ce qui nous porte vraiment préjudice sur le match. Alors, est-ce que c'est un match à occulter totalement et puis on redémarre la saison le samedi prochain, ou est-ce qu'on va quand même prendre en compte ce match et puis essayer de s'appuyer quand même sur ces 90 minutes? On va apprendre de nos erreurs, c'est sûr, et puis ça doit être une claque qui va nous servir pour la suite de la saison. Alors c'est sûr que le déplacement à Montreux ne sera pas facile, mais on ira là-bas pour chercher quelque chose et pour se prouver à nous-mêmes aussi qu'on peut espérer mieux dans ce championnat. Puis est-ce qu'on peut dire aussi que l'effet Yves Miéville n'a pas encore eu lieu, parce que c'est trop tôt dans la saison, c'est difficile aussi de reprendre après 23 ans de gestion d'une même personne. Est-ce qu'inculquer une nouvelle vision ou une autre vision du football, c'est un peu plus compliqué dans une équipe qui a connu un peu, on va dire, les mêmes idées pendant un certain nombre d'années? Bah,
L'effet, il a surtout pas marché parce que quand on perd 3-1, on peut pas dire qu'il a marché. Mais après, c'est un autre style de jeu. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais le foot reste le même. Après, jouer au ballon, c'est une grande théorie. À la fin, comme je vous ai dit, le plus important, c'est de gagner ou perdre. Mais c'est sûr que ça prendra 2-3 mois pour se mettre dedans, dans le rythme, et qu'on soit un petit peu plus efficace. Surtout, c'est là surtout où on a pêché dans ce match. Et puis une dernière question, Yves, est-ce que vous avez un objectif avec votre équipe cette saison ? Ben, premièrement, on va prendre match après match. Après, c'est sûr que le match 1, il est important, et on verra où on sera à Noël, on fera le point. Et puis après, il faudra se battre journée après journée parce que rien n'est facile. Et on l'a vu encore ce soir, on a beau jouer un petit peu à la baballe, à la fin, on se la prend et ça fait toujours mal. Merci beaucoup Yves d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, et puis on vous souhaite tout le meilleur avec votre équipe du FC Colleb aussi pour cette nouvelle saison. Merci beaucoup. Merci.